Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers amis du milieu, ou de centre-gauche, critique de cinéma, journaliste à sensation, photographe professionnel, député, ami de la construction, chers Égyptiens, Monsieur Moubarak Obama, Monsieur Mouawad, Palestinien, Palestinienne, Amir Kadir, je ne sais pas quoi dire, force est de constater que le cinéma québécois est en feu, les cinéastes québécois sont en feu, les Denis sont en feu, vive les Denis libres. Denis Villeneuve est incendié aux Oscars. Denis Côté à Locarno est dans 51 festivals dans le monde. Denis Arcand, pas feu Denis Arcand, mais Denis Arcand est en feu quand même aussi, auquel on rend hommage pendant les rendez-vous, et qui a gagné un Oscar déjà lui. Denis Chouinard, qui est à Locarno depuis son dernier film, et on a hâte de le revoir, Denis Chouinard. Denis Drolette, son rôle pilote. Denis Quaid, Denis Rowe, Denis Long. Bref, tous les grands du cinéma s'appellent Denis. Et je suggère d'ailleurs fortement à certains réalisateurs de s'appeler Denis. Pour avoir plus de crédibilité, et j'encourage les acteurs et metteurs en scène de théâtre Denis Bernard, Denis Bouchard et Denis Sfiliatro à réaliser des films. C'est sûr qu'ils vont réussir. Bref, grande année pour le cinéma et pour les Denis. Mais aussi pour les Louis, pour les Robin, pour les Xavier, puis bien d'autres Québécois qui prouvent encore une fois que le cinéma est l'une des formes d'expression artistique québécoise les plus achevées, les plus explosives et les plus nécessaires. Et qui démontre l'utilité de notre cinéma pour les Québécois, mais aussi pour le monde entier. Le cinéma, c'est un reflet de ce qu'on est comme individu. Ah, j'ai envie de niaiser, ça se fait du bien. Et comme peuple, et aussi un reflet de notre immense potentiel créatif. On a de quoi être fier, puis on peut bien se péter les bretelles encore une fois par année, puis se péter aussi la face un petit peu pendant les rendez-vous. Puis c'est ça qui est ça, calice. Ça, c'est écrit. Pourquoi ne pas le dire, c'est écrit ça. En terminant, je voudrais souligner la présence ici inopinée d'un monsieur qui a donné 1 500 $ à la guignolée des médias en décembre passé pour acheter le droit de faire du vélo d'hiver avec moi, puis venir full au rendez-vous. Il a payé ça très cher pour pas grand-chose parce qu'il est fou et très généreux. Il s'agit de Pierre, mon petit. Merci, Pierre, mon petit.